Paris, 1er septembre 92, départ d'un événement très attendu, le rallye Paris-Moscou-Pékin. Moscou, on étonne et on s'étonne. Enfin, le vrai départ du plus long et du plus difficile des rallyes raids jamais organisés. Les Citroën, victorieuses des prologues, partent en tête, ouvrant la piste et découvrant ses dangers. Tout au long d'un parcours inédit de 16 000 km à travers 6 pays, il faudra se battre contre une nature hostile et contre un redoutable adversaire, Mitsubishi. Grâce à la maniabilité de ses ZX Rally Raid, Citroën domine un début de course époustouflant. Le rythme est plus proche d'un rallye de championnat du monde que d'un marathon, malgré le sable et la boue qui s'appliquent à baisser la moyenne. Pas facile de garder la tête, se dit Lartigue, toujours leader. Cap, plein est. Frôlant des villes au nom évocateur de Boukhara ou Samarcande, Citroën met littéralement des ailes à ses ZX pour contrer son adversaire, toujours menaçant. Étrange caravane bariolée, sous les yeux de population, on ne peut plus mélanger. Des gros et des petits qui se ferait un chemin direction Pékin, quitte à déranger une paisible paix ancestrale. De paysages lunaires en oasis, le rallye progresse, et puisqu'il n'est pas question de routes goudronnées et de ponts, c'est la valse des gays. Les voitures de tête se bagarrent à une cadence folle. Ce qui n'est pas sans conséquence. Chez les Japonais, les problèmes s'accumulent. Val-de-Garde, biellette cassée, sera pénalisée malgré l'efficacité de l'assistance. Lartigue et sa ZX se sont joués de tous les pièges. Ils sont en tête à Bishkek. Auriol et Val-de-Garde se joindront spontanément à Ambrosino pour lui prêter main forte. Au niveau de la tactique, je crois que c'est tous pour un, c'est-à-dire toute l'équipe va se mobiliser pour la voiture de Pierre et Michel. Cette ZX Rally Raid numéro 104 que l'on va essayer de porter jusqu'à l'arrivée à la première place, mais je crois que ce sera encore très difficile et il y a encore beaucoup de kilomètres à faire d'ici Pékin. Pékin, oui, c'est loin, mais la Chine est déjà là. La porte de la Chine franchie, Citroën se doit de renouer avec son passé si glorieux, la célèbre croisière jaune.
Au pied de la Grande Muraille ou à travers les lacs salés, il reste 6000 km à parcourir avec une concurrence qui va jouer son va-tout. De pistes sur 1000 terrains différents, il faut garder la cadence sans jamais oublier la prudence. L'enjeu est grand, le poids du suspense sur Lartigue et Perrin est immense. Bien que ses compagnons veillent sur l'équipage leader, le risque de se perdre est toujours bien réel. Mais la Citroën ZX Rally Raid numéro 104 traverse indemne toutes les menaces, y compris le terrible désert de Gobi à la troublante beauté. Au bout de cette aventure exceptionnelle orchestrée par René Medge, Citroën signe une nouvelle victoire au retentissement mondial et démontre une fois de plus la valeur de ses hommes et de sa haute technologie.